Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on vous présente une japonaise, j'adore ça, ça tombe bien, 350Z. Donc au programme, une belle propulsion, façon Nippon. Donc cette 350Z est celle d'un de nos abonnés, Romain, donc on le remercie dans un premier temps de nous l'avoir prêté pour la filmer. Donc c'est une phase 1, 280 chevaux, avec un moteur V6, 3,5 litres, une voiture qui pèse 1600 kg, très joueuse, qui fait sa réputation, c'est le fait justement que ce soit une propulsion typée glisse, donc vraiment voiture plaisir. Une japonaise à 100%. Donc on va vous faire le tour, on va vous montrer la voiture en détail, à savoir que celle-ci du coup a un stage 1. Que dire d'autre, quelques modifications esthétiques, notamment sur les vitres teintées. Elle a le pack race d'origine, donc on vous filmera les jantes en détail. Donc on va passer sur l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, donc on est sur, bien entendu, boîte méca, 6 rapports. Le frein à main idéalement placé, j'ai envie de vous dire, pour ces petits cols de montagne. Au niveau du volant, pas très esthétique, hein, on vous l'avoue, mais en tout cas, il tient bien en main, agréable à la conduite. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ces 350Z, le compteur et le volant sont solidarisés. C'est-à-dire que si vous baissez le volant, le compteur se baisse aussi. Donc pour les grands ou les petits, il n'y a jamais le volant qui passe au milieu du compteur, parce que sur certaines voitures, ça peut être un peu galère. Donc là, c'est pas le cas. Après, on a pédalier en alu, autoradio. Alors, ce qui est assez atypique, c'est que vous avez cassette plus CD à l'intérieur, siège chauffant, donc bien entendu full cuir, hein, avec siège électrique. Ce qui est assez atypique aussi, c'est les trois manos juste ici, avec du coup la pression d'huile, voltage de la batterie. On a un petit compteur digital qui peut nous afficher aussi les kilomètres heure et l'heure, il me semble. On va vous montrer ça tout à l'heure. Après, que dire d'autre, celle-ci n'a pas le GPS, sinon là, à la place de cette minuscule boîte à gants, vous pouvez avoir sinon un GPS sur certains modèles, avec la plaque ici aussi qu'on va vous filmer, avec donc qui est numérotée. Après, que dire de plus, un intérieur simple. Niveau qualitatif, c'est très plastique. C'est comparable à la finition pour moi de la C6, hein. On s'en rapproche. On a du plastique moussé un peu sur le tableau de bord, sinon ça reste, voilà, c'est du plastique dur, cuir sur le volant. Voilà, intérieur assez basique, mais on a l'essentiel. Pour parler un peu du coffre, donc là on a la barre anti-rapprochement. Donc, c'est d'origine, hein, donc sur toutes les 350Z. En soi, le coffre est quand même assez grand. D'ailleurs, petite étiquette de la part de chez Nissan, il montre comment rentrer un sac de golf dans la voiture. Donc d'après eux, on peut rentrer en tout cas un sac de golf, même deux sacs il me semble, dans la voiture si vous souhaitez aller jouer avec votre collègue. Mais après, ouais, plus sérieusement, c'est pas très profond. C'est pour comparer un peu à la C6, hein, parce que c'est vrai que c'est des voitures qui ont une esthétique assez similaire,
On est sur un coffre qui est bien plus petit, en tout cas sur la 350Z. Donc au niveau du moulin, donc cette 350Z est équipée d'un V6 3.5 litres, comme l'a bien dit Jimmy. Donc celle-ci a été passée au banc à l'origine. Elle sortait 277 chevaux pour 280 annoncés, donc ce qui est assez rare pour un Atmo. Donc ils l'ont reprogrammée. Petit stage 1 là-dessus. Donc maintenant elle développe, elle sort au banc quasiment 309 chevaux. Donc c'est pas mal, on a gagné presque 30 chevaux. Voilà. Après au niveau de la voiture, on est sur un 0 à 100 qui est donné pour 5,59 sur cette voiture. Ce qui n'est pas dégueu non plus en fonction de la puissance, si on prend en compte tout ça. Un beau coupé, V6 Atmo, ça devient trop rare de nos jours et c'est le moment de l'acheter. Donc sur celle-ci, le propriétaire a fait plusieurs modifications. Je vous ai dit stage 1, mais c'est stage 1 plus sur celle-là. Donc il y a l'embrayage qui est un stage 2, les injecteurs qui sont majorés, bobine renforcée, bougie éthanol, volant moteur allégé, pompe à essence avec une capacité de 250 litres par heure. On a à l'arrière une 2000 Cobra pour faire chanter tout ça. Repro qui est éthanol. Et enfin, nous avons les Duritavia pour renforcer le freinage et avoir une meilleure attaque au niveau de la pédale. Bon, nous voilà dans les essais routiers. Du coup, il s'est mis à pleuvoir. On va faire attention parce que c'est une voiture qui est réputée un petit peu joueuse, non pas piégeuse, hein, mais joueuse. Et du coup, bah, on va faire bien attention. Je vais régler la caméra. Voilà mon Jimmy, tes premières impressions. Ça a l'air assez simple. C'est assez direct au niveau de la direction. C'est assez précis. J'adore le bruit. Ça résonne quand même pas mal. C'est assez coupleux. Donc c'est un petit peu le déluge, les amis. Regardez ce temps. L'hiver comme on l'aime. L'Isère, pardon, comme on l'aime. L'Isère comme on l'aime. Lapsus révélateur, mon Jimmy. Qu'en penses-tu? C'est vrai, hein. Mets le bifton dans le micro pour qu'on t'entende. Vous avez vu, on a investi dans un micro Flamingo. Ouais. Micro Rode Wireless Go. Très très bon son, on peut même faire de la ASMR si vous avez envie. Donc là pour tous les bolideurs de la région Rhône-Alpes, je pense qu'ils ont reconnu un peu où on était, donc dans la montée de Champs-Rousses. Donc c'est un endroit où on n'a pas forcément l'habitude de venir avec Théo, mais il faut avouer que franchement c'est un coin super, les routes sont plutôt larges, il y a une bonne visibilité. Les routes sont bien lisses, donc c'est cool, je pense qu'on va revenir plus souvent. Au tour de Théo pour le petit essai routier, il va nous dire un peu ce qu'il en pense, même s'il a déjà conduite pour monter jusqu'ici. On a la Mégane qui est là. Au niveau de l'assise, comparé à ce que je connais, je préfère... la position de conduite est bien mieux que dans la Mégane. Moi je mesure un chouïa plus d'1m80, donc j'ai souvent un petit peu de mal à trouver mes marques dans les voitures. Mais là je suis bien installé, près du volant, les jambes n'ont pas non plus tendu, mais je tape rien. En plus sur le côté là il y a une petite mousse qui est d'une plus belle fonction, donc ça c'est nickel. Les sièges peut-être manquent un peu de maintien au niveau du bassin, au niveau des épaules, je trouve que bon, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Mais sinon pas mal. V6 reprend bien, donc c'est un Atmo, hein. Donc ça veut dire qu'il faut pas hésiter à monter dans les tours pour vraiment le voir s'exprimer. Mais sinon, non, très bonne voiture. Après, c'est clairement pas une voiture pour bolider, hein. Pour le faire.
faire comme on fait avec par exemple la Mégane ou la Porsche de Sylvain, bientôt la Corvette qui sera mise en, en config bolidage. Config bolidage. Édition EDG Racing. Mais non, ça c'est une voiture qui est plus souple. Je dirais que c'est une voiture, on va moins vite, mais on prend autant de plaisir. C'est un plaisir différent, c'est une approche différente cette voiture. Et il ne faut pas le voir comme quoi, comme si on voulait attaquer les chronos, arriver le premier en haut de la montée. Non, c'est une voiture vraiment qui se pilote, avec laquelle on prend du plaisir. Et je trouve ça agréable et c'est de plus en plus rare de nos jours d'avoir une voiture comme ça. Ce qui est bien sur ces 350Z, c'est que c'est entièrement modifiable. C'est-à-dire que si demain vous voulez la rigidifier, c'est possible. Vous voulez changer les amortisseurs, enfin vous avez une liste de pièces en aftermarket qui est folle. Et ça ne coûte pas excessivement cher non plus de préparer une 350Z. Ça, c'est super au niveau bien. Du châssis, même l'intérieur, si vous voulez mettre des paquets, un volant, machin, c'est très facilement modifiable. Les amis, le test est fini. Merci Romain pour le prêt de ta voiture. Vraiment, on a passé un super moment. Son Instagram s'affiche en bas. Vous allez voir, il y a une autre voiture sympa. Donc allez la découvrir sur son fil d'actualité. Et puis après, Jimmy. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. C'est ce qui nous permet de grandir sur la chaîne et de vous proposer de plus en plus de contenu. L'Instagram également qui s'affiche à l'écran et que vous retrouvez également en description. Donc compte sur vous également pour commenter, nous donner un peu votre ressenti si vous avez des retours d'expérience avec une 350Z également. On est preneurs, donc surtout n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.